Salut à tous, c'est Lou. J'espère que vous allez bien. Alors vous le savez peut-être, je collectionne les Playmobil. Il y a d'ailleurs des vidéos d'unboxing, de montage et de critique de certaines boîtes sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, j'imagine que plutôt oui, vous pouvez aller voir sur la home de ma chaîne pour trouver ces vidéos. Alors figurez-vous que Playmobil fait aussi des jeux sur mobile. Oui, moi-même j'étais assez étonné. Donc on va voir ce que ça vaut. Et donc ce premier jeu que j'ai décidé de tester du coup, c'est la maison moderne, donc sous forme de villa, qui était très sympa d'ailleurs comme boîte, assez jolie je trouve, très rose quand même. Hein. Vous voyez, il y a du rose un peu, bon c'est pas tout rose, mais il y a quand même pas mal de rose. Voilà, la fameuse maison. Oh, je me demande bien à quoi ça ressemble quand même comme jeu. Qu'est-ce qu'on va nous demander de faire? La maison moderne. Alors, bon, déjà là, c'est moins joli quand même. Oui. Alors, c'est une boîte que j'aime beaucoup et qui n'est plus en vente actuellement, malheureusement. Mais comme d'habitude, à chaque fois qu'un thème disparaît, il revient, surtout la maison moderne, qui est un thème important chez Playmobil. Il y a une nouvelle maison, du coup, qui va sortir, toute jaune vanille. Bienvenue dans la maison moderne. Ici, tu peux faire vivre tes personnages Playmobil. Tu peux même décorer la maison avec du mobilier. Wow. C'est les Sims, quoi. Prochaine étape, explore la maison, appuie sur les différents objets que et sur les personnages. Et donc j'ai du mal à parler ce matin. Lorsque tu seras prêt, clique sur le bouton jouer. Ah, on peut changer le style un petit peu. D'accord. Bah, c'est un peu comme les Sims du coup, hein. Mettre cette coupe là. Alors, comment je vais t'habiller? C'est pas mal le truc de base. Alors faut savoir que les Playmobil, on peut les habiller, enfin les Playmobil femmes, on peut les habiller depuis un petit moment. Des vêtements un petit peu comme des poupées du coup. C'est assez rigolo. Tac, ok. Hop, la petite flèche. Hop. On va le faire ressembler à mon personnage de mon let's play du coup de The Sims 2, tiens. Un joli roux. Oula, oui, ça pique. Ça picote. Bon, c'est pas trop mal comme ça. Oula, il ne faut pas faire ça dans la vraie vie. Faut pas mettre des couleurs comme ça. Hop. Envoyer des messages en même temps. Ok. Alors, on va mettre play. Activité. Attention, le temps est limité pour les activités. Termine tes activités avant la fin du temps réglementaire pour gagner des pièces d'or. Alors, si ton personnage a besoin d'un mobilier, trace une ligne qui relie ton personnage au mobilier souhaité. Le chemin. Appuie sur l'écran pour faire tourner la caméra. Élargis la zone à zoomer sur l'écran avec les doigts. Alors, tu veux un dressing. Ok. Ok. Toi aussi? Vas-y. Donc là, la représentation est vraiment identique à celle de la maison, hein. C'est assez amusant. Clique sur le personnage. Si tu vois cette icône sur ton personnage, clique dessus pour que ton personnage puisse bouger de nouveau. Ah, t'es bloqué, ok. Ton épargne engendre des pièces au fil du temps. Crée un personnage pour aller au coffre et récupérer les pièces d'or. Ah oui, il y avait le coffre caché dans ce. Mince. Hop. Hi. Il y avait un coffre là-dedans, sous le tableau. On peut l'améliorer. Ok, clic pour fermer. Tu veux retourner t'habiller? Ah, tu reçois des pièces lorsque tu as accompli des activités. Essaie de faire le plus d'activités possible avant la fin de la journée. Ah, faut bien cliquer. Sinon, je vais actionner la caméra. Ah, c'est exactement ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Voilà. Pas aller trop vite. Tac.
Peut-être qu'ils en feront avec la nouvelle maison, du coup. Hein. Alors, je peux acheter un lit. Nouvelle collection, tu peux dépenser tes pièces d'or en achetant de nouveaux objets. Plus tu as d'objets, plus le niveau de ta maison augmente. Ok. Faut choisir la couleur. Je sais plus quelle couleur il est dans le jeu. Il est vert, je crois. Dans le jeu, en vrai, je veux dire. Mais là, j'ai pas assez de sous. Le matin est fini, bon travail. L'après-midi va maintenant commencer. Et donc, c'est rapide. Ils vont pas travailler, là, mes petits Plémosim? Non. Je veux pas que t'ailles par là. Bon, la maniabilité, c'est pas forcément ça, hein. Tu veux aller à la piscine. Très bien. Ah, c'est dur une journée de Playmobil, hein. Donc la piscine est ici. Bon, y a pas toutes les décorations qu'il y a dans le jeu quand même. Toi, tu veux que t'aies de la musique, j'imagine que t'es dans le salon. Et quoi? Fais plouf, je t'en prie. Voilà. Mais c'est qu'on s'éclate chez Playmobil. J'adorais la cuisine d'ailleurs de cette collection. Donc comme je vous le disais, il y a des vidéos sur ma chaîne qui vous présentent un petit peu les Playmobil, certains thèmes, par exemple le zoo. On a quoi encore? On a Ghostbusters. Le soir va commencer déjà. À peine le temps de. Où tu veux aller à la télé, donc attends. C'est un peu galère de naviguer entre les deux étages. Je trouve que l'idée est pas trop mal, c'est marrant d'en avoir fait un sim. Bisous. Place ton couple de personnages rapprochés pour faire un joli bisou, tu gagneras des pièces d'or. Ok. Oh, joli bisou. Ils ont une petite télé quand même. Donc toi tu vas me faire à manger. Alors je pense que là je peux acheter la cafetière. Ah, il va falloir cliquer sur la tête quand ils ont des pièces comme ça et pas les apporter forcément. D'accord, ok. J'ai dû louper des pièces je pense. Donc je comprends pas les jeux Playmobil, c'est un peu triste quand même. Tu vas mettre ton pyjama toi j'imagine. Dépêche-toi, c'est le soir. Non, tu montes les escaliers. Autre escalier. Voilà. Journée terminée, activité complétée 4, nombre de bisous 2, pièces d'or collectées 50. Bah dis donc, quelle journée. Et là c'est reparti. Alors, option, ok, bon, juste le son. Ça fait quoi ça? Oula, c'est le... Oh, c'est Sarbacane qui a donc développé le jeu. Et Ah mais c'est français du coup. Ah, je suis assez étonné. Vous le savez, un Playmobil, c'est une entreprise allemande. Et donc, ils ont proposé à des Français de le faire. Oh, c'est marrant. Comment jouer? Donc, ça, c'est l'aide en fait. Ok, le chemin, trésor, amélioration. Au niveau de la maison. De nouveaux amis peuvent te rendre visite et tu gagneras aussi des pièces d'or. D'accord. Le jour divisé en trois parties, personnalisation. Je pense qu'on a vu tout le jeu là par contre. Hein. Alors, on peut acheter la petite bibliothèque. Mais pas les moyens. La machine à café, je pense là. Oui. Ah, c'est cher.
Un lit, ce serait bien quand même, hein. Ils ont pas de lit, les pauvres. La baignoire. Là, c'est des fleurs. Et c'est cher, vos trucs. Mais vous êtes fous. La voiture, bah oui, évidemment, la voiture. Alors, on va se refaire une journée. Ok, petit déjeuner. Allez, mais non! Ah! Ah, je galère avec la caméra! Oui, le bisou, c'est gentil. Enfin, c'est dommage qu'on puisse pas reprendre un chemin en fait avec. Hop, là, voilà. Pièce. Douche, ok. Hop. Manier là. Ah, si je peux reprendre, faut juste que je reparte du début. D'accord. Ok. Toi, tu vas aller où? Très bien. J'aimerais bien avoir assez de sous pour acheter du nouveau mobilier quand même. Le matin est fini. Matin, après-midi. Il veut remanger. Un petit bisou au passage, c'est parfait. Que veut madame? Bon, tiens, va me faire ça. Le nombre de fois où je me plante et où je bouge la caméra au lieu de les faire se déplacer, c'est un peu dommage. Encore te changer et être indécis sur ses vêtements. Hop là. La télé. Ils passent pas beaucoup de temps à deux, hein, les petits filous. Allez. Te changer. Hop là, voilà. Après-midi fini, le soir. Tu t'es arrêté en plein milieu de ta tâche, toi, du coup. Va récolter les pièces du coffre, vite, c'est le max. Voilà, et maintenant tu vas ici. Allez. La piscine. C'est bon, ça fait plouf. Ici c'est quoi? Ok, aussi des plantes. Je pense que je vais acheter un lit quand même parce que les pauvres. Tu veux retourner à la piscine, toi? À chaque fois, là, le virage. Virage, la folie. Et quoi? Allez, vite, 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 tu peux le faire. Just.
6 activités complétées, 3 bisous, 73 pièces d'or collectées. J'ai fait un petit peu mieux que le premier jour. Petit bisou. Ok. On va en profiter pour acheter du coup un lit. Quelle couleur? Trop de rose, donc on va prendre du vert. Voilà. Et je fais quoi maintenant? Faut que ce soit eux qui l'ouvrent. Niveau 1. On peut avoir deux personnes. Ah, on a des nouvelles personnes en fait après, d'accord. Ok. Alors, on va refaire une nouvelle journée. Ah, du coup, il veut tester le lit. Voilà. Très bien. Ah, bah voilà, t'es content. Bah oui. Allons voir ce qu'il y a par là. Une petite douche. Des sous. Télévision, ok. C'est un peu répétitif quand même, hein. Mais l'idée de base est sympathique, je dirais. Avoir fait une sorte de mini sim. C'est dommage qu'ils en fassent pas un vrai sim. Par contre, la gestion de la caméra et des déplacements des personnages, c'est un peu agaçant. C'est bon, t'as trouvé une chaîne qui te plaisait? Ah, tu nous fais tout le tour là. Le matin est fini déjà. Bon. Musique maintenant, ok. Et ben, retour là où t'étais. Tu as faim. Alors j'imagine s'il y a plus de personnages après, ça va être un petit peu... Ça va être fifou quand même, de devoir tout gérer en même temps. Déjà là, à deux, j'ai l'impression qu'ils veulent des trucs toutes les 3 minutes. Il va encore se changer, il faut faire tout le tour de la maison. Ah, à chaque fois, ce virage-là. Trop compliqué ce virage, c'est vraiment, c'est... Ça c'est du hardcore gaming à ce niveau-là. Hop là, voilà. C'est bien, tu vas nettoyer ton assiette. Dépêchez-vous de finir là, ça va me faire des sous. Le soir commence. Allez. Elle a envie de rien pour l'instant, Miss. Ah si, c'est bien. Elle veut se changer et elle est déjà en haut. Ah bah c'est bien, elle utilise le lit. J'essaie de lui cliquer dessus. La piscine, les sous.
106. Bah, je peux acheter un truc supplémentaire. Je vais acheter une bibliothèque, tiens. En vert, en gris, en bleu. Bleu, c'est la couleur normale dans le jeu. Dans le jeu, à chaque fois, je dis. Dans la vraie vie. La vraie vie du jouet. Donc, hop. Voilà. Et bah voilà, 6 activités. Oh, pas de bisous aujourd'hui. 69 pièces d'or. Ok. Bon bah, on va refaire une nouvelle journée après. Et bah allez, c'est parti pour un nouveau jour dans la vie des Playmobil, donc. Alors, toi, tu veux donc découvrir notre petite bibliothèque. C'est tout à ton honneur. Allez, hop, on va essayer de passer le virage. Oui, quelle maîtrise. Sauf que non, sauf que j'ai loupé. Après, voilà. Ok. Télévision. Tiens, passe d'abord récolter les sous. Et maintenant, tu peux te laver. Ah, encore foiré le virage. Hein, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai emmené à la douche. J'étais sûr pourtant. J'ai dû cliquer à côté. Des sous. Tu veux te changer, c'est bien. Hop là. Hop, allez, vite fait à manger. Bon, j'ai pas beaucoup de temps là. Hop, au coffre. Le matin est fini, après-midi. Hop là. Allez. J'ai pas encore essayé d'améliorer les objets. Il faudrait que j'améliore un objet pour voir. Hop. Alors, ok. Donc là, tu veux monter. Voilà. La salle de sport. C'est marrant, moi j'ai mis la chambre d'enfant à cet endroit-là. Et eux, ils ont pas d'enfant en même temps. Hop. Combien ça coûte d'améliorer? 120, ça coûte super cher. Ah, du coup, ça leur prend moins de temps. Ok. Je vois. Toi, ça rapporte plus de sous. Hein. Si j'arrive à y aller. Tiens, hop. Allez, musique. Télé. Bon, j'aurais pas le temps, laisse tomber. Alors. Tu veux lire un livre? Si je clique en bas, c'est encore plus pratique pour passer de l'un à l'autre. Non, j'ai pas voulu faire ça. Par contre, je peux l'améliorer. Ah, ça ajoute un petit coussin, c'est mignon. Un coussin qui existe en plus. Un coussin qui est fourni avec le jeu. Enfin, avec le jeu, avec le. Dans la vraie boîte, il y a des petits coussins roses comme ça dans le.
J'ai le chat qui ronronne sur moi, je sais pas si vous l'entendez. J'aurais bien voulu vous la présenter, vraiment, cette villa Playmobil, mais elle n'est hélas plus en vente. Donc ce ne sera pas possible en unboxing, mais je vous le rappelle, il y a plein d'unboxing de Playmobil sur ma chaîne, donc allez jeter un coup d'œil. Nouvelle journée, c'est parti. Je pense que vous l'entendez, le chat, vu le bruit qu'il fait. Un vrai avion. Alors, passe par là. Il peut vraiment pas. Hein. C'est pas pratique. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'il y avait les bisous aussi. Eh, poussez-vous. Virage. Là, voilà. Musique. 80 pour l'améliorer. Ok. Faut se concentrer sur les améliorations quand même. Je pense qu'en gagnant du temps, ça pourrait être beaucoup plus efficace. Comment je fais pour monter de niveau déjà? Faut que j'améliore plus de mobilier, faut que j'ai davantage de... Vas-y, saute. Non, mine de rien, c'est assez long de tout débloquer. On va chercher les sous du coffre. J'aime bien quand elle court, on gagne du temps. Non, va là, maintenant, allez. Déjà. Faut tout traverser. Un petit bisou. Là. Oui. Ah, tu hésites. Tu hésites encore. C'est bon, t'as choisi. Bien. Prends les sous-pieds ici. Ok. Petit bisou en passant. Non, même pas, elle l'ignore. Oh, mais j'ai failli... J'ai loupé les sous. Du bisou. Ce qui m'arrangeait plutôt que de... que ça réduise le temps, ce serait que ça améliore l'argent qu'on récolte. Ah, tu kiffes cette musique, hein. Hop, les sous. Bien. On va récolter ça. Toi. Je pense pas avoir le temps.
Non. Cette activité, 3 bisous, 82 pièces d'or collectées. On est 94, on va pouvoir acheter quelque chose bientôt là. Va lire ton livre. Sur ton canapé. Et toi, va écouter ta zik. Allez. Yeah, les sous. C'était quoi déjà là? Ah oui, les plantes. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Ok. Hop. Alors, combien ça coûte la machine à café? Alors, vous êtes tous les deux soit sur une chaîne, soit sur les fringues. Mais qu'ils savent pas ce qu'ils veulent. Bien. Mais attends, 2 secondes. J'arrive pas à te faire. Ah! Ok, bon. Allez, 150. Mince. 130. Allez, on va prendre les haltères. Bleu, rose, rouge. Allez, rouge, je crois qu'elles sont rouges normalement. Yes, de nouveaux amis. Niveau 2, il faudra qu'on rachète encore quelque chose. On passera niveau 3. On aura de nouveaux amis. N'est-ce pas formidable d'avoir de nouveaux amis? Ouais, t'es contente parce que je t'ai fait dormir, c'est bien. Tu veux faire du sport, mais t'as bien raison. Découvre tes haltères. Ben oui, t'es heureuse. Mince, elle voulait faire du sport en plus. La prive de son sport. Ça sent le bisou. C'est bien ça. Allez, gain de temps là, hop. Ok. Hop. C'est bon, tu t'es bien amusé. Moi j'aimerais bien aussi avoir une piscine, hein, franchement. Pas que t'aies le temps d'aller jusqu'en haut, mais bon. Bisous dans les escaliers. Oh, bonus. Plus 8. C'est gentil. Allez, j'ai envie de passer niveau 3. Tiens.
Et j'ai un nouvel ami. Je croyais qu'il fallait passer niveau 3 pour avoir un nouvel ami. D'accord, merci pour le bisou, mais... Voilà, et toi par là. Hop, vas-y, fais du sport. J'ai tout le monde en même temps, là. Ça va être un petit peu con. Ouh là là. Ok. Alors. Oui. Tous en même temps là. Ok. Matin fini. Descends. Ah oui, ils se font pas de bisous par contre. C'est triste. Ça manque de bisous. C'est marrant parce que... Bah ouais. Plus 3... Ah non, niveau 2, plus 3, bah oui. Je croyais que c'était niveau 3, mais non. Plus 6, on passe au niveau 3. Plus 9, ok. Et plus 12, on passe au niveau 5. Ok. C'est ce qu'il nous reste à faire pour finir ce let's play. Je pensais pas que le jeu serait aussi long. Enfin, non pas qu'il soit long, hein, il est plutôt court, mais. Et rébarbatif. Mais j'imaginais beaucoup plus court. De ce que j'ai vu des autres jeux Playmobil. Faudrait que je vous montre également un jour. J'arrive pas à sélectionner l'autre, du coup, il est coincé. Hop là. Hop, à l'étage. Tiens, là, une baignoire. Ah oui, une belle baignoire bleue. Alors ta baignoire, ton grand. Oui, c'est trop cool les baignoires, je sais. Allez, voilà. Tu te baignes dans le slip, toi. Bah écoute, pourquoi pas, hein. Allez! Je veux pas louper les sous. Oh mince, faut qu'il retourne là-bas. Tant pis. Ah, on gagne des bonus tous les jours du coup avec ça, c'est cool! Tant mieux. Mais il est passé où mon ami? Il a disparu? Ah non, il est toujours là.
Ah, la caméra des fois, c'est pas ça. C'est un petit peu le bordel quand même. L'autre il écoute sa musique pendant qu'elle regarde la télé. Enfin, je disais ça plutôt. Un peu le bordel. Ah, du sport, enfin. Ah, tu me fais le grand tour. Vas-y, fais à manger. Quand ils seront nombreux, ça va être un petit peu la galère quand même, je pense, hein, pour circuler dans cette maison. Terminé. Ok. Alors, toi, t'as déjà envie de te changer. C'est rare qu'on se change chez ses amis quand même, hein. Surtout dans leur propre penderie. Mais bon. On va dire que rien ne nous étonne ici. Alors, écoutez ta zik. Tac. Mistinguette. Toi. Mais non. Allez, saute. Danse. Mais non! Je clique à côté depuis tout à l'heure. Des sous, c'est bien. Allez, prends les sous du coffre. Et hop, une petite soirée tranquille. Madame veut regarder la télé. Monsieur va les changer. Merci pour les sous. Même pas, ils serrent la main les mecs quand ils se croisent. C'est bon, tout le monde est occupé. Ah, ils vont souvent changer, du coup, comment on fait pour améliorer ça? Enfin, qu'est-ce que ça va faire d'améliorer ça plutôt? Voilà. Oh, les petits. Petits. Comment dire? Cosmétiques en plus. Ok. Oula, 107. On commence à gagner plus de sous. Bien, bah c'est reparti pour une nouvelle journée, du coup. Hop. Est-ce qu'on va atteindre le niveau 3 avant la fin de l'épisode? Suspense. Hop. Mince. Ah. La jouabilité par moment, c'est. Ça me rend fou. Hop là. Voilà.
théorie. Toi, tu veux de la musique. En fait, c'est dommage de pas pouvoir simplement, voilà, dire lui, toi, tu vas là. Faut obligatoirement lui indiquer le chemin qui va jusque là-bas. Du coup, c'est un peu plus long, forcément. Il faut combien d'objets? Il nous faut 6 objets. Il faut qu'on double le nombre d'objets pour atteindre le niveau 3. Hop. Alors oui, changeons-nous chez nos amis. Et c'est pas le bon que je choisis, évidemment. Ah, j'ai quand même réussi. Et bien, ils veulent tous se changer. Allez. Va au lit. Ah. Un qui veut se doucher, un qui veut se baigner. Bon, toujours un entre potes, hein, on prend sa douche et son bain en même temps, surtout quand il est juste à côté. C'est plutôt agréable. Allez, descends. Hop là. Hop. Ouais, si je vois une la vue, c'est plus simple en fait, tout bêtement. Pourquoi n'y a-t-il pas pensé avant? Alors par contre, pour sélectionner les personnages, j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué. Mais faites-vous des bisous entre invités, là. On perd des sous à pas faire de bisous. Hey! Allez, je te sélectionne là. Oui, donc là, voilà, ça montre ses limites. Voilà, elle est coincée. Ok. Vite! Oh, t'auras pas le temps pour le coffre. Si, là tu peux. Mais ils sont habillés pareil en plus. Comment veux-tu les différencier? Allons, allons, allons. Les autres, ils veulent rien faire. C'est quand même plus simple quand on voit de loin. Voilà. T'es perdu en chemin. Allez, à la douche. Si j'arrive à t'y emmener. Ah bah oui, dormons chez nos invités. Hop là. Oui, le bisou. Alors toi, je vais pas réussir à t'emmener écouter de la musique. Même si tu vas en courant. 153, c'est pas mal ça. Alors du coup, qu'est-ce que je peux acheter à 153? Si je rajoutais... Ça c'est 163... Bah tiens, regarde, c'est le prix. On va prendre rouge. Waouh, merveilleux.
Bah teste-le si tu veux. Hop, du sport. Je t'ai dit du sport. Ok. Tu veux descendre, toi. Hop. Ah, tu veux lire dehors maintenant. Hop. Un petit bisou. Tiens, bah va prendre les sous toi du coup. Oh déjà. Ça passe trop vite. T'as même pas pris les sous là. Télévision. On va par là. Toi pendant ce temps. Non, c'est l'autre que je veux sélectionner. J'améliore 2-3 trucs quand même. Ça, je l'avais amélioré ou pas? Oui, je l'avais amélioré. Puisque j'avais ajouté, voilà, le petit truc de maquillage. Ah. T'aimes bien passer du temps dehors. Vite, va rendre le livre pour avoir les sous. Ah, trop tard. Télévision. Je te sélectionne, je veux pas bouger la caméra. Comme d'hab, ils font 10 000 trucs en même temps. C'est pas. Non, je clique pas là, je clique là en bas. Je clique pas là, je clique en bas sur les visages. Ok, alors. Faut vraiment de la patience pour essayer de tout faire, hein, parce que pour tout débloquer, ça va pas être forcément très très court. Mais prends ton livre. Assieds-toi donc. Ok, fin de la journée. Alors, 119, c'est pas mal. Combien me coûte une cafetière? Non, pas ça. La cafetière. Ah! 120. Oh, il manque une pièce. 150, ok, tu vois, j'ai rien à voir à... en dessous de 120. Mais c'est un monde! 100! Allez, des petites plantes. Voilà.
Et ben voilà, on est monté niveau 3. On a réussi à avoir notre quatrième invité. Ça va être encore plus compliqué du coup de gérer tout le monde en même temps, mais c'est pas grave. On se marche les uns sur les autres. Et là, on bouge. Ça va pas être simple. Alors, tu veux arroser les plantes, ben vas-y. Toi, tu veux faire à manger. Toi, tu veux te baigner. Et là, monsieur, il fait rien. Hop là. Ok, monsieur veut voir la télé. Allez. Hop là. Et hop. On s'assied. Hop là. Mon Dieu, j'ai l'impression d'être l'hydre de Lerne. Il me faut 10 têtes pour tout gérer. Oh, tu vas aller tout en haut, mais c'est long, c'est loin. Et l'autre, évidemment, elle va aller tout en bas. Et elle se perd en chemin. Toi, au moins, c'est juste devant. Voilà. Eh ben, ça fait du monde à gérer en même temps. Prochain niveau. Faut 9 objets, on sera niveau 4. Ok, et hop là. Alors, tout le monde va les changer en même temps. Ok, bon travail, le soir va maintenant commencer. Qui va aller là? Ah mais... T'étais caché. Mais te cache pas. Comment veux-tu que je t'amène au bon endroit après si tu te caches? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Où est-ce qu'ils vont souvent? Combien ça coûte d'améliorer la piscine, tiens? 120. C'est cher. Hop. Toi, tu vas descendre écouter de la musique. Remets ton livre en place, toi. Ah! Complètement perdu. Le lit, combien ça coûte? 100 pour l'améliorer? Allez. Non, c'est 120 encore. J'y fais U. Bonus, plus 25 en bonus. Hein, parce qu'on est au niveau 3. Ça, c'est cool. Allez, je pense qu'on a le temps pour une dernière journée. On va peut-être faire une amélioration avant. Ils vont souvent regarder la télé ou écouter de la musique. Voilà. Ouh, un petit peu de décoration.
Bah tiens, justement, ça tombe bien. Qui veut te changer? Le plus relou, c'est quand même de passer d'un étage à l'autre, hein. Ça, c'est indéniable. Non, c'est pas ça que j'ai voulu faire. Ok. Bien, des sous. Descends, toi par là, toi là-bas. Allez, allez. Temps de valider. Récupérer les sous, par contre, c'est important. Matin terminé. Hop là. Oh, pourquoi vous voulez aller des endroits? Toi, je t'ai dit d'aller tout droit. Les invités sont moins gentils, ils se font pas de bisous du tout. Allez. Qui veut aller là? Ah oui, toi, tu dois ranger ton arrosoir. Allez! Allez! Pathfinding! Trouver le chemin parmi les meubles, pas toujours évident. "137. Le soir va commencer. Passent leur temps à changer quand même, hein. Un peu leur activité favorite. La douche, ils y vont souvent aussi quand même. Allez, amélioration. Je sais pas ce que ça a amené. Ah si, une serviette. Ah tiens, va tester la nouvelle douche du coup. Maintenant t'as une serviette, tu vas pouvoir t'essuyer. Formidable, je sais pas comment tu faisais avant. Moitié des activités de cette maison nécessite d'aller au dressing quand même. Hein. Non, c'est pas toi que je sélectionne. Non, c'est pas toi que je sélectionne. Allez, tous au dressing. Faites-vous un bisou en passant. De toute façon, toi, t'auras pas le temps de faire ton activité. Toi, j'ai même pas envie de te faire monter jusque-là, tellement ça va prendre du temps pour rien. Et voilà! 9 activités complétées. Alors. Et bah pour la fin de cet épisode, on va peut-être s'acheter un truc. Je sais pas si à 100 on peut trouver quelque chose. Ou améliorer quelque chose, hein, tout simplement. Comme d'habitude, en tout cas, vous pouvez liker, commenter, partager.
vous abonner aussi, bien évidemment. Je vous rappelle qu'il y a des unboxings de Playmobil avec montage et critique, du coup, un petit peu sur ma chaîne. Je vous invite à aller voir ça. Vous pouvez également regarder mes let's play d'autres jeux vidéo. Il y en a plein, il y en a plus de 70 sur ma chaîne. Si vous aimez les simulations de vie, je vous conseille plutôt d'aller voir les Sims. C'est un peu plus vivant que du coup ce jeu Playmobil qui est certes gratuit, mais un petit peu redondant et puis pas forcément optimisé sur la jouabilité, hein. C'est dommage. On se retrouve très très vite pour la suite de cet épisode et d'ici là, ben, je vous dis de bien vous porter. Salut à tous!